avec tristesse les années graves. Je suis venu au dépôt d'hydrocarbures de Caloum, précisément dans le quartier Corotti, dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023. À cette heureuse occasion, le RPG a caché des alliés, présente des condoléances élues aux familles de toutes les personnes décédées et prions pour le repos de leur âme. Que le Tout-Puissant les accepte dans son paradis. Amen. Le RPG Arc-en-Ciel et Allié souhaite propre rétablissement à tous les blessés graves ou légers. Le RPG Arc-en-Ciel et Allié attire l'attention des autorités de la transition sur la situation particulière et grave qui pèse le responsable du parti incarcéré depuis plus de 2 ans à la maison centrale de Corotti, non loin du dépôt de carburant en question. Nous signalons qu'avec l'ampleur de l'incendie et la force de l'explosion, le toit de leur cellule est tombé pendant qu'ils dormaient. En conséquence, la direction nationale du parti et ses alliés demandent vivement leur libération, même s'ils doivent se présenter devant le juge au besoin, car actuellement, ils sont dans une insécurité totale. Enfin, la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel et Allié exige que toute la lumière soit faite sur ce drame pour que le ou la coupable soit retrouvé le plus vite et soit puni par sa compétence. C'est le lieu de demander à toutes les Guinéennes et à tous les Guinéens un prix de paix et de justice de se donner la main pour que l'heure, plus que jamais, pour mettre hors d'état de nuire les forces du mal et leurs commanditaires tapis dans l'homme qui sont à la base de ce genre de drame. Qu'on a dit le 19 décembre 2023, le RPG Arc-en-Ciel est allié. Vive la Guinée!